Hele, victoire. So it's a victory tonight. Yeah. Difficile en première mi-temps. On a senti une équipe un peu tendue. Et puis à partir de la deuxième mi-temps, tout était allé mieux. So he says that in the first halftime, it was a bit difficult. We feel that the team was pretty tense. And then after, when they came back on the court, it was amazing and everything was so smoothy and easy. So what about that? Yeah, I totally agree. The first half, it was really bad defense. Too many goals, too many easy goals to plan the cook. Elle a dit qu'elle est complètement d'accord avec l'analyse que tu viens de faire. Sur la première partie, la première mi-temps, effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'arrêts manqués, beaucoup de buts, trop d'erreurs qui font qu'on voilà, on en était rendu là à la fin. And in the second half, we play harder in the defense, and then we also could get more fast break goals. Et en deuxième mi-temps, la tendance s'est inversée. Ils ont renforcé la défense, ce qui leur a permis d'avoir des phases de contre-attaque beaucoup plus facilement et du coup de reprendre le lead. Quelle a été la clé du match pour gagner? What was the key of the game to win? It was a better defense and Flo saved more balls in the second half than the first half. Clairement la défense et la gardienne a fait un job remarquable en deuxième mi-temps en arrêtant beaucoup de buts. Ou alors en première mi-temps on l'a trouvé plus absente. Because then we start to get easy fast break goals. Et du coup le fait qu'elle arrête ça a permis d'avoir une relance, une contre-attaque plus rapide et du coup d'être plus rapide dans les transitions. Elle est importante cette victoire pour les coachs, pour l'équipe. Ça lance la saison. So do you think this victory is important to launch your season? Is it also good for your team and you as a coach and your staff? Yeah, 100%. The most important thing is that you get 3 points. Because I said to the girls, in the end of the season, then you cannot remember the games, but you only look the number, how many points you have. Elle dit que à 100% cette victoire-là, elle était essentielle. Avoir 3 points, c'était très important. Parce qu'à la fin de la saison, elle dit, tu regardes les points, tu ne te souviens plus des matchs, mais ces 3 points-là sont très précieux. And I have actually one more thing, you know, when you play home with so many people here in Hall, this is really a good place to play and you feel the atmosphere is good here. So it's also important for us to win in front of the home people. Et elle dit, encore plus important, c'est de jouer à la maison devant tous les fans qui étaient venus. Avec une telle ambiance, c'est impossible de pas gagner, alors les 3 points ont encore plus de valeur pour les fans. Félicitations. Merci. Congratulations and thank you. Merci. Raissa, victoire ce soir. Première victoire à domicile. Tes impressions sur ce match? Très constructif. C'est vrai qu'on a un peu galéré entre guillemets en première mi-temps. On a laissé pas mal d'opportunités à l'attaque de Plancuc de faire ses marques sur attaque placée. Surtout en fin de première mi-temps, on a un peu galéré à revenir au score, mais on a réussi à avoir le caractère pour revenir au score. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a mis les ingrédients nécessaires pour jouer en contre-attaque, pour essayer un peu de les pilonner en contre-attaque, les fatiguer. Et c'est ce qui s'est passé, donc très fier du résultat. Mais on sait que tous les matchs vont être compliqués. Donc voilà, va falloir s'accrocher parce que cette année, le championnat, ça va être très très compliqué sur toutes les rencontres. Comme tu le dis, la première mi-temps, elle était un peu tendue. C'était de la pression. C'était quoi l'atmosphère au cœur de l'équipe? Je pense pas que ce soit de la pression. Je pense que c'est des réglages qu'il faut. Où est-ce qu'il faut qu'on progresse? On a tendance un peu à s'écarter en défense, à être moins dans l'entraide. Et il faut qu'on se progresse dans ce secteur tout au long de la saison, rapidement, puisqu'on va avoir des matchs compliqués dès la semaine prochaine et aussi en décembre après les championnats d'Europe et d'Afrique. Donc voilà, je pense que ça va être le gros travail à faire en défense, l'entraide, plus l'entraide. En fin de première mi-temps, on a senti qu'il y a eu un petit déclic. Nantes a repris les devants, a réussi à même avoir l'avantage juste avant la mi-temps. Il s'est passé quelque chose dans les vestiaires à la mi-temps. Le début de la deuxième période a été magnifique. On sait honnêtement comment. Enfin, on arrive cette année à se remettre dedans facilement. On a fait une grosse préparation physique aussi avant la reprise. On a réussi à mettre ça en place sur les matchs amicaux. Chaque deuxième mi-temps, on a réussi à revenir pleine balle et c'est ce qui nous manquait l'année dernière. Donc, je pense que ça va être un peu notre marque de fabrique cette saison et j'espère qu'on va continuer dans ce chemin-là. Comment est l'ambiance entre les filles sur le terrain? Comment ça se ressent? On commence à trouver de belles relations fines. On commence, je trouve, un peu à plus s'amuser, parce que l'année dernière, je trouvais qu'on était un peu crispés. Nos 3 recrues nous font énormément de bien. Elles ont réussi à rentrer dans le projet facilement et rapidement. Donc je pense que ça fait notre force aussi. On a des filles d'expérience dans l'équipe. On est bonnes à tous les postes, je pense. Donc c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, en fait, des Neptunes. Un petit mot, le retour à Mangin-Beaulieu. Ça fait super plaisir. Revoir les fans, revoir les... Ouais, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. On se sent chez soi.
Exactement, on a travaillé pour ça, pour avoir ce public qui est avec nous en fait. On a aussi les Coq Trident qui sont venus maintenant et qui font beaucoup de bruit, beaucoup plus que la saison dernière vu qu'ils ont beaucoup plus de personnes. Et c'est un énorme plaisir de jouer à domicile. Merci, félicitations. Merci.